Et bonne rediffusion à vous YouTube, bienvenue. Et puis, allons mourir. Ok. Tu vois? Je t'avais dit que je m'en occupais. Ok, c'était incroyable. Comment tu... Aucune idée! Je peux, c'est tout! Tout va bien jusqu'ici, gardien! Et vous n'êtes pas encore tiré de l'affaire! Je peux invoquer autant d'armées que je souhaite. Ouais, j'en ai... Encore les parasites à pilules! Je vais écourter leur misérable vie! Prenez garde! Et puis, ça commence bien, principalement. On va essayer de le pas le rater celui-là. Oui, fêtons ce moment, mes amis. La victoire sera bientôt à nous. Le chapeau rouge. Nos noms seront dans les livres d'histoire, Peter Quill. Et ils seront bien orthographiés. Bon. Je sais que vous voulez faire la fête parce Coucou, qu'on est à monsieur deux doigts de coach. Gagner ce combat. Mais si on met la charrue avant les bœufs, ces déchets vont nous faire la peau. Alors que tout le monde se concentre et on va montrer à ces gros nazes qu'on déchire. Qui est avec moi? On y va! À la bombe! Faites attention! Prépare-toi, démon! Et un vermisson de bois! Fais tout péter, Rocket! Gamora, décide tout! C'est pas le moment d'être... Il se débrouille bien, là! Découpé! J'espère qu'on n'a pas fait mal à Drax en tuant ces trucs! Sans ma rage! Occupe-les, Groot! Ça vous rend pas un peu triste de voir Warlock comme ça? Non, même pas, Julia! Attention! Ça ressemblait à ça quand vous l'avez rencontré à l'intérieur de moi! Toutes les versions du Magus qu'on a vu jusque là, c'était des clopinets! C'est lui le vrai! Ça va peut-être se calmer un petit peu, non? Hé! Hey, bientôt les réticences! Juste un petit peu près de vous! Mais bon, encore des parasites à planter! Foutu fils de l'espace! Les remports appliquent! Je vais étouffer leur misérable vie! Yes! Bon voyage, petit asticot! C'est bon! Peter Quill! Lâche-moi sur ces imbéciles! Quelle bravoure fut-il! Pourquoi résister? La pierre! Tu dois utiliser la pierre! Il est toujours trop loin! On dirait qu'il fait exprès de se tenir à l'écart! Qu'est-ce t'attends là, Quill? Dis un truc pour le déconcentrer? Oui! Énerve-le avec tes paroles en l'air! Insectes infects qui se débattent! Chara, Beluga, tu fais des rimes, ça va, on a compris. Comment tu fais pour être encore plus insupportable qu'avant? Hein? Rota, Verglas, etc. Dis-moi. Vous commencez à m'énerver. C'est notre spécialité. Combat, format, matelas. Vous dites n'importe quoi. Nous, on dit n'importe quoi? Enfin, tu débites des kilomètres de salade depuis qu'on t'a rencontré, les Tumans. Et en plus, maintenant, tu fais des rimes? Ingrats, inconscients!
crois que c'est bon là, il est tout à foin. Éteindre de la planète. Et qui prête à nous sauver encore? Ah, fais attention. T'inquiète, c'est moi qui ai des super pouvoirs maintenant. Cette gamine commence à me plaire. Petite. Ok, je pense que ça marche. On doit juste tenir encore un peu. Tic-tac! Assez discuté! Vous commencez à m'ennuyer. Explosion, Rocket! Drax! Oh, voilà plus d'insectes à écraser! La mort noire s'abat du ciel! Fais-nous gagner du temps, Groot! Je vais écouter leur misérable vie! Groot! On a besoin d'aide! Mais je me tais! Je pensais que tu ne m'aiderais jamais! Sors la grosse artillerie! Peter, je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai dit que t'étais odieux. Raté. Et je l'aurais pas parce que... Et voilà, raté. Je savais que j'ai plus de bêtises. Ok, je pense que ça marche. On doit juste tenir encore un peu. J'ai décidé de tricher. Je s'appelle Elle est là. Coucou Terrali. Ok, à toi de jouer. Tac, ravage tout. Comment allons-nous fêter notre future victoire? Je sais pas vous, moi, payez des vacances. Peter, je suis désolée pour toutes les fois où tu as dit que c'était honteux. Ouais, c'est pas cool, les gens pensent que c'est ma plus grande qualité. J'en ai plein d'autres. Ça aurait pu être évité si on avait pas fait ce pari stupide. Ce n'est pas un petit mort. Gamora, fais un carnage. Je tiens à te féliciter, Pizarre. Pour tes paroles à faire. Ouais, Pizarre a clairement un don. Attention, d'autres immenses. Allez dire que j'ai pas mon insecticide. Ça s'arrête là pour toi. Combien de fois t'es venu les mecs? Quel grand bazar, au secours. C'est certain que la pierre va marcher, hein? Le Magus craint réellement la pierre ancestrale. C'est certain. Éradique tout, Rocket. Groot, choque-les. Comment allons-nous fêter notre future victoire? Elle approche, elle se débrouille.
prosterneront devant moi. Merci pour ton récit, Mister Ali. J'espère que tu vas bien. La pierre fait un truc bizarre. Ça y est, c'est le moment, gardien. Appâte-le, Quill. C'est le seul moyen de la voir. Prosternez-vous. J'ai dit à genoux. Vas-y, Star-Truc. Bon, mets-toi bien ça dans le melon qui tient de crâne. On capitule devant personne. Non mais attends, sérieusement. Tu sais qui on est ou quoi? Ouais, mon vieux. On est les gardiens de la galaxie. On a des cartes de visite. Et on préfère mourir que de se prosterner devant toi. Vous osez défier un dieu? Avez-vous la moindre idée de ma... Elle ferme. Qu'as-tu dit? Elle a dit que t'étais un gros naze. Oh, vos insultes sont une insulte à... ma... La pierre. Utilise la pierre. Paniquer comme ça, toi. Peter Quill. La pierre va te consumer, Quill. Exactement comme la première fois. Allez, cours. La pierre va les consumer tous les deux. C'est trop tard pour essayer de te racheter. Lâche-la tout de suite! Non! C'est moi qui ai libéré cette chose! Et je compte bien la renvoyer d'où elle vient! Non mais ça suffit là, j'ai pas mal vu. S'en sortir. Pas vrai, Mantis? L'important, c'est qu'il ait réussi. Vous avez tous réussi. Ce n'était pas à lui de se sacrifier. T'es payé? Pas encore, mon pote. Ça veut dire que c'est fini? Genre, fini pour de bon? Le Magus a été maîtrisé pour l'instant. La plus insatiable entité de la galaxie est à nouveau prisonnière de la pierre de l'âme. Il ne reste plus qu'à décider ce qu'on veut en faire. La détruire. Ces deux idées sont très mauvaises. Je s'appelle Groot. Groot dit qu'on devrait combiner les deux idées. La pierre n'est ni une bombe, ni une babiole. Et elle n'est pas votre fardeau. Oh, 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 oh! Ce type a failli nous tuer et engloutir la galaxie! Vous ne pouvez pas maîtriser ce mal. Je l'ai engendré. J'en suis le gardien. Personne ne peut garder cette chose. Mantis, quel est le risque que la galaxie soit à nouveau menacée si on garde la pierre? Très grand. Et si on la confie à Boucle d'Or? Pas si grand. L'enfant a raison. Un jour, peut-être, mon âme pourrait ployer sous le poids de sa puissance. Mais je ne suis pas seul. Juste pour être sûr, c'est quoi le risque que la galaxie elle soit dévorée toute crue si on la vend, la pierre? Il est gigantesque. Le meilleur moyen de s'assurer que le Magus ne s'évade pas à nouveau, c'est d'y veiller ensemble. Pardon. Alors, si
Si jamais tu te sens ne serait-ce qu'un peu fiévreux... J'appellerai ton équipe. Aussi rocambolesque soit-elle. Je m'y suis attaché. Et j'implore votre indulgence pour avoir voulu vous tuer et engloutir la galaxie. Un terrible moment d'égarement. T'inquiète pas, on est désolé d'avoir dit des trucs pas cool sur toi. S'il est vrai qu'un homme doit contrôler sa nature, nul autre que lui-même ne saurait être maître de son humeur. Il parle vraiment tout le temps de cette façon ? Je veux simplement signifier qu'on est quitte. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oh, certainement pas. Oh que si. Ok, Terali, dit Pichou. Alors ? Oh ! Répugnant. Ok, bah maintenant je suis convaincu. Et voilà, on a fini. Je me rappelle même pas de celui-là.
mais vraiment, ça va, je peux dormir dans le canapé. Le canapé est infect. J'ai vu le rongeur faire ses besoins dessus. Elle dormira dans la chambre de Gamora. T'as vu ça où ? Oh, arrête, t'es une fille. C'est une fille, vous jouerez à la poupée. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, elle aura pas ma chambre. Fin de la discussion. D'accord, tu devras faire construire une nouvelle chambre et peut-être même une salle de bain et convaincre les autres qu'une nouvelle recrue est une bonne chose. Une recrue de 12 ans. Une recrue qui aura peut-être besoin que tu sois son parent de secours. Attends, arrête, mec. Enfin, tu viens de sauver la galaxie 2 fois. Alors, de toute évidence, endosser ce nouveau rôle, ça va être absolument, très certainement... Bah, on va dire que c'est faisable. Tu peux pas t'occuper d'une gosse, enfin t'es un gosse. Je me suis trompé. C'est plutôt toi qui aurais besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Oh, quel bordel. Je trouve que Nikki est génial, mais il lui faut un modèle, un soutien émotionnel et... Oh, des légumes. Et où est-ce que tu veux que je trouve des légumes, moi ? À moins que... Groot sache faire pousser des légumes. Oui, oui, ce serait même plutôt intelligent de lui demander ça. Et si tout le monde décide de mettre un peu de bonne volonté pour faire quelques sacrifices... C'est vrai, tu les connais. Ouais, ils sont... Enfin, très franchement... ils ont de grandes qualités. Je veux dire, c'est vrai, Drax est courageux et il a été père. Groot, lui, il est bienveillant et protecteur. Et Rocket saura lui apprendre à se faufiler. Et Gamora. Oh, oh Gamora. Elle s'y connaît en honneur, en discipline et en truc de fille. Ouais. Ouais, ouais. Alors, du coup, même si tu t'en sors pas tout seul, eh ben, en fait, t'es pas tout seul. Et tu sais quoi ? Nikki fait partie du jeu maintenant. Elle rejoint notre famille. Et une famille, ça se soutient en toutes circonstances. Même si on doit improviser un peu chaque jour. Ça va le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Une panne d'énergie, semble-t-il. On dirait un verrouillage des cohortes de Nova. Vous avez bien payé votre amende, hein ? Oh, Flak ! Je s'appelle Groot. Et voilà. En sentant la fin que des gardiens se sont unis, Star-Lord est devenu obsédé par la publicité. Elle a commandé de nouvelles cartes de visite où le mot héros apparaît en plus gros et en plus gras. Il a inscrit l'équipe à plusieurs remises de prix galactiques. Il se demande même s'il ne va pas changer de coiffure. Star-Lord a aussi demandé à Rocket de laisser le trou grignoté par Camille dans le mur de sa cabine. Certaines nuits, il arrive à se disputer la couette avec un Onipacus Galacticus qui bave et qui ronfle. Star-Lord s'est aussi vu remettre la clé de Nowhere par Cosmo pour le remercier de l'avoir aidé à rejeter la promesse. Pour l'instant, elle est calée contre la porte du frigo pour l'empêcher de s'ouvrir. Maintenant que la bonne entente règle enfin au sein de l'équipe, Gamora a invité tout le monde à une formation rigoureuse pour qu'ils apprennent à se battre comme un. Après seulement 6 sessions, Star-Lord affirme qu'ils se battent comme de vrais ninjas. Gamora ignore ce que ça veut dire par là. À la grande surprise des gardiens, Rocket a installé un jacuzzi mercurien chauffé au rayon gamma dans la soute. Il en a officiellement fait son bureau et organise des réunions d'équipe quotidiennes.
Il fournit les boissons mais pas les serviettes. Pour immortaliser leur aventure placée sous le signe de l'unité et de l'honneur, Drax a proposé aux membres de l'équipe de leur faire un tatouage. Groot a guéri instantanément, mais il affirme qu'ils sont toujours la marque à l'intérieur. Les autres gardiens ont eu mal aux fesses pendant plusieurs rotations. Drax et Star-Lord ont aussi un nouveau rituel. Ils vont à la faille pour manger des Shogadogs et parler de leur famille. Soucieux d'améliorer sa communication avec l'équipe, Groot a demandé à Rocket de l'aider à enseigner le Groot aux autres. Il a rapidement abandonné car il répétait sans cesse les trois mêmes mots en boucle. Maintenant, Star-Lord essaie d'apprendre à Groot quelques mots de la langue des signes qu'il a appris dans les films. Il arrive aussi à Groot de garder le silence et de faire semblant d'être son double, ce qui ne manque pas de terrifier ses équipiers. Groot a enfin convaincu Star-Lord d'essayer sa tisane de Groot. Le lendemain matin, Star-Lord se réveilla avec une plante au milieu du front. Après avoir assisté à l'hommage en grande pompe à Corail, qui a attiré des dizaines de milliers de personnes, Nikki a fièrement révélé sa chevelure éclatante aux accusateurs Kree et leur a dit qu'ils pouvaient se mettre leur marteau où elle pensait. Les gardiens sont sa nouvelle famille et elle appelle parfois Star-Lord papa pour le mettre mal à l'aise. Camille a perdu une quantité impressionnante de poils qui se sont révélés remarquablement doux. Les gardiens ont revendu cette laine au marché noir pour une somme faramineuse et Drax s'est lancé dans le tricotage de moufles pour toute l'équipe. Mantis, à peu près sûr d'avoir peut-être réalisé un de ses somptueux, ses nombreux devoirs en tant que Madone Céleste, Mantis s'est attelé à régler les derniers détails. Mais elle s'est perdue en cours de route. La dernière fois qu'on l'a vue, elle donnait des conseils à une reine des monstres très énervée. Le crédit d'avoir arrêté l'Église universelle de la vérité a été attribué en grande partie à Adam Warlock. Quand il a eu fini de récolter les lauriers de sa gloire galactique, il a repris son rôle de guérisseur et s'est mis à arpenter la galaxie pour aider ceux qui s'étaient égarés dans la promesse et revenir à la réalité. Cosmo est toujours le meilleur. Ça c'est dit. Ouh là 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 là. Ça c'est quoi? Ok, c'est les chapitres. Yo. Je devrais faire un peu moins vite que j'ai le temps de mettre pause s'il faut. Et voilà, tout fini. Merci de nous avoir regardé YouTube. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.